Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on se retrouve pour un tutoriel de maquillage. Donc j'ai choisi de vous faire des tons un peu flashy, un peu corail, un peu doré. Je trouve que ça se marie très bien pour l'été et les beaux jours qui arrivent. Donc si ce maquillage vous plaît et que vous avez envie de voir comment je l'ai réalisé, je vous incite à regarder la suite. Je vais donc commencer par appliquer ma base à paupières, c'est la Urban Decay, la Primer Potion. Ensuite, je vais utiliser le fard Chase de la palette 15e anniversaire qui est juste sublimissime. C'est un doré, un petit peu, mais vraiment très joli. Et je vais le mélanger avec la couleur somptueuse olive qui est comme ceci et qui est magnifique également. Donc là j'applique le somptueux olive par-dessus. Je vais venir estomper les bords. Ensuite je vais venir appliquer le fard Expansive Pink qui est comme ceci, qui est un rose doré qui est trop beau, j'adore ce fard là. Et je vais venir donc l'estomper avec un pinceau 224 de chez MAC. Ensuite, je vais venir appliquer le Deep Pen en rat cils interne. Je pense que ça va être très joli avec ce maquillage là et je vais donc l'appliquer avec un petit pinceau plat comme ceci. Ensuite, je vais venir appliquer le blackout avec un petit pinceau comme ceci pour mettre en rat de cils externe. Je vais ensuite venir mettre un trait d'eyeliner. Je vais ensuite utiliser le crayon noir Perversion de chez Urban Decay que j'adore dans la muqueuse. Je vais ensuite venir mettre Vanilla en coin interne. Et puis pour finir, pour les yeux, je vais utiliser le Laundry Days pour l'arcade sourcilière. Donc j'ai appliqué le Inimitable Intense de chez Chanel. Ensuite en bleu, je vais venir utiliser la Center of the Universe de chez MAC que j'aime beaucoup et je vais en mettre vraiment une toute petite touche pour pas en faire trop et comme c'est l'été, j'aime pas forcément trop me maquiller. Donc je vais vraiment en mettre un chouïa pour juste donner un peu bonne mine, mais je vais pas en mettre plus. Voilà, juste comme ça. Pour donner un maquillage un peu plus lumineux, je vais utiliser la MSF de chez MAC, la Porcelain Pink, qui est comme ceci et elle a des reflets dorés et qui est vraiment super beau en été. Moi, je la mets toute seule, je mets pas de blush. Je mets juste ça et franchement, c'est trop beau. Donc là, vous allez peut-être pas voir la différence avec la caméra, mais c'est vraiment trop beau. Donc le pinceau là, c'est le 188.
Et puis pour finir le maquillage, je vais utiliser le rouge à lèvres 910, le Shocking Coral de chez Maybelline. Je vous en avais déjà parlé, il est extra, il tient vraiment toute la journée. C'est le rouge à lèvres le plus pigmenté que j'ai jamais utilisé. Et celui-ci, donc, c'est un corail, il est très très beau. Et je vais en mettre vraiment une petite touche pour que ça fasse un petit peu lèvres mordues et que ça fasse pas trop. Pas en mettre plus que ça et puis je vais estomper. Donc voilà le maquillage final. J'espère qu'en tout cas ce tutoriel vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye.